Vendredi 21 avril 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous présenter le Flash Info exclusivement dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre ATT TV. Ouvrons cette session d'information par la Journée internationale de la terre nourricière qui a été célébrée pour la première fois le 22 avril 1970 aux États-Unis, souvent considérée comme la naissance du mouvement environnemental. Au fil des ans, elle est devenue le plus grand mouvement environnemental participatif de la planète. Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaynord Nelson. Il encourageait les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Aujourd'hui, le jour de la Terre est célébré à travers le monde, plus de 500 millions de personnes dans 142 pays. Pour ce 22 avril, la journée de la Terre, Sandra Idosu, promotrice de la campagne Sachet Reloué, en collaboration avec plusieurs associations et ONG, organise une série d'activités ce vendredi 21 avril sur une projection de film avec les enfants suivie d'un débat à Canal Olympia à 10h. Puis l'éco-running le samedi à 7h précise à l'Étoile Rouge de Cotonou. Et pour finir avec l'effet surprise du dimanche 23 avril en forêt pour la visite et le pique-nique en pleine nature. La rédaction de Planète Terre ATT TV prend date. Direction marché des fruits et légumes de la Rive où les consommateurs sont férus du bio. Les produits bio sont aussi très utiles pour enrichir vos terres. Une fois qu'ils deviennent des déchets, plusieurs producteurs en raffolent d'ailleurs pour leurs planches. Élément de réponse dans le 19h45. Page Inter à présent en Chili, le président Boric approuve l'extension d'un projet minier controversé. Les organisations de la défense de l'environnement s'insurgent face à cette autorisation et dénoncent une décision en totale contradiction avec les engagements du président Gabriel Boric de partager la nature et ses écosystèmes. En Union européenne, les règles sur les produits issus de la déforestation fragilise les petits producteurs. Les importations de l'Union européenne représentent 16% de la déforestation liée au commerce mondial en faisant le deuxième destructeur mondial de forêts tropicales, derrière la Chine. Après l'adoption par l'Union européenne d'une loi pour l'interdiction de l'importation des produits issus de la déforestation, la Malaisie et l'Indonésie se retrouvent concernées par la législation, car ce sont les premiers producteurs mondiaux d'huile de palme. Leur gouvernement dénonce une politique discriminatoire, mais les ONG saluent leur décision, soulignant aussi des difficultés d'application. Ailleurs, dans le monde, la multiplication des barrières administratives peuvent inciter des producteurs à abandonner la vente de produits agricoles, même s'ils ne sont pas issus de la déforestation. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Désormais, prenez le rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi, pour suivre l'actualité exclusivement vouée à l'environnement sur l'ensemble de nos réseaux. Retrouvez Inès Roissy à la présentation de 19h45. Protégez l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous.